Aujourd'hui, je vous retrouve samedi, direction Ottawa. C'est pour découvrir la ville de Sonora. You're chilling when the rain,
you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of... Je vous retrouve le lendemain à la maison, tête du dimanche, cheveux faits. Je vous parle d'ailleurs de ma routine capillaire pour les cheveux bouclés, hein, pour mes petites boucles. Sur Insta, là, je vous ai mis un réel hier, pendant que j'étais sur la route pour Ottawa. Donc, ça vous a pas mal plu, mais si vous voulez savoir vraiment toute ma routine, c'est là-bas que ça se passe. Le voyage à Ottawa, donc notre journée à Ottawa était juste trop canon. J'ai complètement adoré à Ottawa. J'y suis déjà allée il y a quelques années, mais je vous avoue que j'avais un peu oublié. Et là, il faisait tellement beau, il faisait très chaud, je vous avoue qu'on mourait de chaud. On a monté des tonnes d'escaliers pour avoir une super vue et tout, c'était trop sympa, mais... Ça a vraiment un petit côté anglais quand même. D'ailleurs, les gens parlaient très bien français dans les Tim Hortons, les McDo, etc. Donc, c'était assez étonnant parce que la partie d'Ottawa est dans l'Ontario, donc dans la partie anglaise, enfin qui parle anglais du Canada, et ils parlaient presque mieux français que parfois quand on va ici à Montréal, dans les Tim Hortons, où des fois l'anglais, le français est pas très acquis. Donc ça m'a fait un petit tilt. Je vous avoue que c'est une ville qui donne vraiment envie. J'aurais bien aimé y vivre aussi parce que c'est une ville qui est très agréable. Bon, on voyait bien que là, le samedi, c'était vraiment très touristique et il n'y avait pas les gens, les locaux, qui devaient être sûrement dans leur maison ou poser ou relax. Là, on était dans le quartier commercial ou le quartier des affaires et forcément, il n'y avait pas de locaux, de gens qui travaillaient, hein. Donc, ma foi, mais c'était une trop jolie ville. Et c'est sûr, on y retourne d'ici un mois parce qu'en fait, on veut absolument voir Ottawa au moment de l'automne. Parce que là, c'était pas encore rougi, c'était pas. Mais ça va être canon, ça va être canon. Donc je pense qu'on reviendra dans un mois avec les feuilles d'automne qui tombent, un paysage différent, ça va être une autre ambiance. Mais c'était juste trop beau. De toute façon, vous avez dû le voir un petit peu. Et c'était vraiment une ville très très agréable. Si vous passez dans le coin, que vous allez faire un petit périple, un petit chemin, enfin comment on dit, j'ai oublié les mots aujourd'hui. Si vous faites un petit parcours dans le Canada comme ça, dans cette partie du Canada, en Ontario, si vous faites Toronto, les chutes du Niagara, Ottawa, c'est sympa aussi à faire, Montréal aussi, Québec aussi, mais ça vous fait monter tout en haut. Mais voilà, sachez que c'est vraiment des villes à faire quand même qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est vraiment des charmes différents. En tout cas, on a beaucoup aimé. J'ai reçu en revanche hier soir, donc on est rentré, il était 21h je pense, et il y avait ma petite Ipsy Box qui m'attendait. Je vous avais une vidéo dédiée sur les box beauté, mais je pense que celle-ci, je vais vous l'ouvrir ici, c'est la box du mois de septembre. Et puis, peut-être que je vous referai des vidéos dédiées le mois prochain, pour le mois d'octobre, pour mon anniv, je verrai. En tout cas, là, je vais vous la montrer parce que j'ai trop envie de l'ouvrir, j'ai pas envie d'attendre. Donc, elle se présente comme ça. Elle est plus grosse et plus grande que l'autre de la dernière fois, je vous montre. Celle que j'avais la dernière fois, regardez. Du mois d'août, qui était vraiment pas terrible. Dans ma vidéo, je vous disais que c'était pas ouf. On voit qu'elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Donc là, elle est plus grosse et elle est plus lourde. Et bon, elle était un peu ouverte, mais ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de casse. Et en fait, on a à l'intérieur un sachet box et un produit qui était à côté. Donc c'est marrant. Et le produit à côté, c'est un produit de chez Benefit. Et ça a l'air d'être un tout nouveau produit parce que je n'ai pas du tout vu ça ailleurs. C'est The Professional, une mousse purifiante pour les pores. Donc une mousse nettoyante, je pense aussi. Hein. Élimine visiblement les résidus de sébum et les impuretés. Les pores comme purifiés visiblement au toucher. C'est un gel léger qui se transforme en mousse à l'application.
J'imagine que c'est à rincer, c'est pas précisé, hein. Si, c'est à rincer, utiliser matin et soir, après l'huile nettoyante The Professional. Ça veut dire que Benefit s'est mis à faire des produits comme ça pour le teint, une huile nettoyante que j'avais jamais vue, et le petit produit comme ça, la mousse. Ah, c'est vraiment marrant parce que ça, vous savez, c'est en alu. C'est les packagings un peu en alu comme ça, et du coup, ça a l'air vraiment d'être un gel qui sort, hein. C'est un embout-gel et ça se transforme en mousse quand on le masse. Ça, je suis contente, c'est un produit qui va me servir. J'aurais aimé avoir l'huile, même en mini, pour tester le combo, mais c'est déjà un très beau produit. C'est un full size de quasiment 150 ml. Donc, déjà là, la box, elle est canon pour 15$, ça vaut le coup, ce qui fait à peu près 10€. Dans l'autre sachet, on a un blender comme ça. D'ailleurs, hier, sur la route aussi pour Ottawa, j'ai fait une commande sur le site Ipsy, mais une commande, vous savez, un peu vente privée. J'ai pris des pépites, mais vous verrez ça sûrement dans une vidéo haul prochainement. Donc un blender comme ceci, donc ouais, la qualité a l'air pas trop mal, hein. Beauty Sponge de la marque Pinky Bay Beauty, je connais pas. Et comme d'hab, on a la petite troussette, et c'est vrai que les petites trousses, elles sont toujours toutes mignonnes à utiliser dans votre sac, enfin, voilà, où vous voulez. Et là, regardez, il y a le petit gadget là pour ouvrir, c'est vraiment trop choukinou. On a le prospectus avec de la pub. Allez, et je pense que c'est là où j'ai mon spray fixateur que j'avais demandé. Parce que des fois, vous pouvez choisir certains produits. Et là, voilà, c'est le spray fixateur Shade by Shan. Alors, je connais pas du tout. Et ça se présente comme ça. Donc, c'est un petit format. Mais ma foi, moi, ça me servira pour tester. C'est pas mal. Et même pour emmener en voyage, c'est pas mal. On a un mini mascara. Toujours Benefit, hein. Beaucoup de Benefit dans cette box. Donc, c'est plutôt pas mal. Un mini mascara, c'est le Fan Fest. Donc ça a l'air d'être une nouveauté. Ce qui est bien avec les box comme ça américaines, c'est que vous avez des produits que vous n'avez pas encore parfois en France, que vous pouvez tester du coup en avant-première. Et sachez que vous pouvez parfois les commander et les faire recevoir chez vous avec le système de Shipito. J'en avais déjà parlé dans une vidéo parce que j'avais eu une collaboration avec Shipito. Si je la retrouve, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais c'est vrai que c'est un avantage, c'est d'avoir des produits comme ça qui ne sont pas encore sortis du côté français. On a un nettoyant pour le visage. Alors, c'est dommage d'avoir un deuxième nettoyant, sachant qu'on a le gros nettoyant à côté. Mais c'est un petit nettoyant pour le visage qui illumine, rafraîchit et hydrate. Oui, ça se rince. De la marque Tea Time. Je ne connais pas du tout. Bon, après, c'est un petit. Ça, les petites miniatures, ça me va parce qu'on peut les emmener en voyage aussi. Mais la dernière fois, on a eu un échantillon et ça, c'est abusé, je trouve. Et le dernier produit, c'est encore un illuminateur liquide. Bon, ça, je ne suis pas hyper fan. De la marque China Bay comme ça. Déjà la couleur de l'enluminateur là, je sais pas, elle est un peu dorée comme, enfin cuivrée. Ouais, c'est pas pour ma carnation. Ça a l'air pas mal au niveau de la texture. Ça a l'air de pouvoir se, je sais même pas si vous verrez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Si, un peu là. Mais c'est beaucoup trop cuivré pour moi, je pense. Mais à tester. Mais c'est pas les produits que je préfère. Bon. En tout cas, pour 10 euros, 15$, bon, on va pas, cette fois-ci, on va pas chipoter. Il y a quand même trois beaux produits qui me plaisent beaucoup, c'est-à-dire le fixateur, le mascara et le produit comme ça, professionnel, c'est quand même plutôt canon. Et même, ah non, même quatre produits, parce que ça aussi, ça va me servir, c'est clair, la blender là pour le teint, ça va me servir. Donc, et la trousse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là, moi, je vous mets un 9 sur 10, clairement. Parce qu'elle est plutôt pas mal pour 10 euros. Voilà pour ma box. Aujourd'hui, ma mission, c'est de préparer ma classe parce qu'on est dimanche. J'ai fait mes cheveux et rangé un peu ici cette pièce. Rangé mon nouveau meuble dans ma chambre pour mettre mes sous-vêtements, etc. Et je pense que dans cette vidéo, ça ne va pas être aujourd'hui, mais lundi au mardi, je vais vous emmener en shopping avec moi à Bath & Body Works parce que je voudrais acheter des petites choses là. Tout ce que j'ai acheté. Cet été, au mois d'août, ben, il n'y a quasiment plus rien au niveau des pousse-mousse pour les mains. On a vraiment tout utilisé, on se lave beaucoup les mains. Et les gels douche, tout ça, on en avait acheté des petits, donc, ben, on a déjà tout utilisé. Donc là, j'aimerais bien aller acheter des trucs chez Bath & Body Works. J'aimerais aller chez Sephora, donc je pense que je vais vous emmener avec moi dans cette vidéo. Je sais pas si je vous montrerai ce que j'ai acheté ou pas, on verra. Ou si je fais une vidéo séparée à part. Mais en tout cas, voilà, et on verra aussi l'installation de la déco d'automne. Allez, go! Je ne vous ai pas précisé, mais si ça vous intéresse de recevoir cette box gratuitement, j'ai droit à 4 invités. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes du coin et que vous voulez tester votre première box comme ça, Ipsy, gratuitement, je pense que vous n'avez rien à payer à part peut-être les frais de port. N'hésitez pas à me le dire et je vous enverrai le lien ou le mail. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos.
Donc j'avance dans mon rangement pour la chambre de Oran. Les rangements sont à peu près clean à ce niveau-là. Bon, je vais racheter ça chez Dollarama parce que ça rentre pile poil en haut. Donc ça pourrait être plus pratique, ça ferait plus propre. Sinon là, j'ai mis ces bacs-là qui viennent de France sur la petite étagère. Mince. Hop, voilà. Donc c'est pas trop mal. Et là, on a mis tout ce qui était sous-vêtements ici. Bon, c'est Oran qui a voulu mettre sur le côté comme ça. Je trouve ça pas hyper pratique, mais on verra si ça reste comme ça ou pas. Et là-bas, à côté, de l'autre côté, il a installé ses chaussures. Donc voilà, il a rangé ça comme un pro. Je vous retrouve le soir. On a fini nos courses. On a fait notre petit planning de la semaine. On essaye de respecter maintenant ce planning. Parfois, il y a des aléas qui changent. Mais de façon générale, maintenant, on fait le planning. On fait les courses ensuite. Et on essaye de s'y tenir pour la semaine. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fait 3 semaines. Donc, c'est plutôt cool. Pendant les courses, je me suis pris du cappuccino pour l'école parce que bah, des fois j'ai envie d'en boire un à l'école mais j'ai pas ma machine et j'ai trouvé des petites pépites à tester et Reese's, donc là c'est du brownies of Reese's. J'ai aussi la recette cookie au Reese's que j'avais déjà acheté avant et je pense que je vous l'avais montré dans un autre vlog et regardez ce que j'ai trouvé, des bretzels au Reese's. J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne parce que bon, ça a l'air bourré de sucre hein. Mais ça me donne envie de tester. Et j'ai aussi trouvé la dernière fois de la glace au Reese's. Je pense que je ferai une petite vidéo crash test comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit de savoir ce que j'en pense ou pas? Même si c'est bourré de sucre. Voilà, je me dis que ça peut être un test à faire sur Instagram, peut-être. Voilà. C'était, évidemment, j'ai acheté des fruits, des légumes, des bananes, des raisins. D'ailleurs, on a trouvé des raisins myrtilles, enfin des bleus raisins, ils appellent ça. On a acheté des tomates, enfin évidemment tout ce qu'il fallait pour faire nos repas. Ce soir, c'est justement salade de tomates et de choux et des petits nems. Hello, je vous retrouve en ce lundi. Il est 15h30, j'ai fini le boulot et je me suis empressée d'aller faire du shopping. Donc là, je suis à Carrefour Laval, c'est un grand centre commercial ici où il y a Victoria's Secret, Bath & Body Works, Sephora, David's Tea, etc. etc. Donc bah, je vous emmène avec moi. J'ai envie de faire un peu de shopping pour ce lundi. Demain, je suis en formation. Du coup, ça ne sera pas exactement la même route. Donc voilà. Voilà, je suis trop contente. Vous avez vu ma tignasse, elle est trop canon. Hein. Oui, je vais arrêter de le dire, mais j'ai l'air d'une vraie hyène. Donc, go, go, go. Dans la voiture, il est quelle heure d'ailleurs clairement, on va sortir le téléphone, cette petite session shopping de 2 heures, il est 17h30, m'a fait du bien, j'ai cracouillé, j'ai dépensé 250$, donc ce qui équivaut un petit peu à un peu moins de 200€, ça fait 180€, oui c'est beaucoup, mais ça faisait longtemps, je vous avoue, ça faisait longtemps. J'ai acheté des petits macarons pour mon chéri parce que c'est son petit péché mignon. Donc j'ai acheté ça à la biscuiterie. Et moi je me suis pris une sorte de... Enfin, je sais plus le nom que ça avait. Oula, j'aurais dû demander une serviette. Une sorte de cookie comme ça qui a l'air très croquant. Je sais plus le nom, ça avait un nom particulier. Donc je me suis pris ça. Bon, il fait très très chaud, ça j'ai pas précisé. Donc trop contente, j'ai craqué chez Sephora, j'ai cracouillé chez Bath & Body Works, j'ai même eu du rabais, plein de promos et tout. Pas chez Sephora, malheureusement. Je ne suis pas gold ici. Mais voilà, j'ai pris 2-3 petites choses. Je pense que je vous ferai un haul séparé en détail parce que là, sinon, ça va faire une longue vidéo. Mais oui, je vais avoir ma deuxième paye là dans même pas quelques jours, dans 3 jours.
et j'avais pas encore dépensé un sou. Alors oui, je suis pas obligée de dépenser, j'aurais pu économiser, mais je vous avoue que là, ça m'a fait du bien d'avoir ce moment seul, ce moment où j'ai pu dépenser mes petites choses, regarder, prendre mon temps sans avoir d'enfant qui vadrouille, parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé au Canada, j'ai tout le temps mes enfants avec moi. Et quand je suis à l'école, bah, j'ai les enfants des autres. Donc j'ai pas eu trop de temps à moi toute seule comme ça. Donc ça m'a fait plaisir. C'était un petit moment à moi que j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Du coup, retour à la maison. Juste vous partager, je me suis attachée les cheveux, il fait 35 degrés, j'ai trop chaud. J'ai allumé la clim, je vais partir, mais j'ai voulu goûter ça. Mon Dieu, je ne sais plus du tout le nom. Si je retrouve, je vous mettrai le nom. Mais c'est trop bon, c'est moelleux, il y a des pépites de chocolat moelleuses, des vrais morceaux de cacahuètes, quoi. Comme un cookie très molle. C'est trop bon. En ce vendredi, chérie a mis le tapis. Bon, il faut que je le replace bien parce qu'il n'est pas exactement symétrique, mais il est vraiment trop beau. Hello, on se retrouve en ce samedi. On va fermer la boucle ici du vlog. Oui, aujourd'hui. Alors la semaine, je ne vous ai pas trop pris parce que je vous avoue que j'ai eu l'impression de bosser. J'ai eu une formation mathématique mercredi qui était juste trop canon. Vraiment, ça m'a redonné espoir dans les mathématiques, dans la logique. Il y a des choses que j'avais perdues, je pense. Donc vraiment, c'était trop bien. Aujourd'hui, en ce samedi, il a fait très beau toute la semaine. Là, il fait un peu moins beau, donc j'ai mis ma petite veste. Et on va filer dans un verger de pommes. Vous savez, ici, c'est un peu la tradition. Comme ça, fin septembre, les gens aiment beaucoup aller chercher des pommes, préparer des tartes aux pommes, des muffins aux pommes, etc. Donc, on va suivre la tradition et on va aller dans un verger. Mais avant ça, on va passer chez le dentiste parce que ma fille s'est abîmée la dent, l'incisive, avec une sorte de ballon à l'école. Évidemment, qui lui a lancé le ballon dans le visage? C'est mon fils. Donc bref, on va aller voir si on peut trouver un rendez-vous chez le dentiste rapidement parce qu'elle a mal et en fait, c'est ça qui nous inquiète. Au début, je me suis dit, c'est juste un petit coup, elle a mal juste le soir. Mais en fait, elle a mal depuis 3 jours. Donc là, on va vraiment aller voir ça. Donc c'est notre mission du jour. Dentiste et pomme. Et puis après, ça va être un week-end chill, mais vous verrez ça sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver là-bas, à liker ce vlog s'il vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous emmène du coup dans le verger, vous balader avec nous. On est bien arrivé au verger Chante-Pomme. On est en train de cueillir des pommes. C'est trop bon et c'est trop sympa. Je vous ai dit des bêtises. On n'est pas à jus de pomme, on n'est pas à Chante-Pomme. En fait, il y en a plusieurs dans le même coin. Vous avez jus de pomme, Chante-Pomme. Attends, Doudou. Et là, on est. T'as trouvé quoi? Oui, mais elle est toute verte celle-là. Elle n'est pas mûre, tiens. On est à la magie de la pomme. Donc voici un peu un exemple. Ils nous disent bien que pour prendre une pomme, Kayla, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre une pomme dans les arbres? Viens nous expliquer, viens nous montrer là. On doit monter la pomme et après tourner, après tirer. Et voilà. Sauf que là j'ai juste monté et ça s'est un peu. Voilà, elle tombe vraiment facilement. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en a plein. Il y en a plein dans le. Il y en a plein au sol. C'est pour ça en fait ça tombe très facilement. Je sais pas si vous verrez là-bas, il y a un petit tracteur qui emmène les gens et qui les ramène en fait. C'est plutôt sympa, on a dans le prix, en fait on a payé 20$ par adulte, c'est gratuit pour les enfants. Vous avez des kilos de pommes et enfin des kilos parce que je sais pas exactement combien, je crois que c'est 10 kilos. Et vous avez ce petit chemin au tracteur là qui vous ramène jusqu'à la ferme. Après là-bas vous avez des petites activités. C'est plutôt sympa, c'est très très beau et on a une météo au top. Thank you.
De retour à la maison avec nos fameuses pommes, je vous montre ce qu'on a acheté. Dans les 20 dollars, on avait le droit donc à deux gros sacs comme ça de pommes. On a choisi les pommes Lobby et les pommes Macintosh, oui. Alors les Lobby, c'est celles-ci qui sont vraiment très 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 grosses là. On a pris que des pommes rouges, il y avait aussi des pommes jaunes, mais moi j'aime pas trop celles, les pommes jaunes. Donc... Et on a pris les Lobby qui sont un peu plus petites. Donc on a deux gros sacs. Dans la petite boutique, on a pris du pur sirop d'érable parce que ça vaut plus le coup d'acheter comme ça. Donc c'était 8 dollars le gros pot comme ça. Et on a pris des galettes à la citrouille. Alors il y en avait aussi aux pommes, mais j'ai pas pris aux pommes parce que je pense qu'on va faire des recettes avec toutes ces pommes, hein, évidemment. Et dans la boutique, ils nous ont fait goûter leur jus de pomme vraiment artisanal. C'est trop, 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 trop bon. Donc on en a pris. Oula ! La catastrophe. On en a pris 4 bidons comme ça. Parce qu'il y en avait 3 achetés, le quatrième offert. Donc voilà. On s'est fait plaisir au niveau des pommes. Là. Je vous avais promis de mettre la déco d'automne et d'Halloween. Mais en fait, je pense que je le ferai dans le prochain vlog. Parce que là, j'ai pas eu le temps, l'énergie, tout ça. Donc comme on est parti à Ottawa et que là, on a fait. Le verger là, l'automne et officiellement d'ailleurs aujourd'hui on est le 21 septembre donc c'est officiellement l'automne. Je crois que là la météo va s'arrêter d'être aussi belle. C'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on a une super météo. Donc on va dire que l'automne là va vraiment arriver. Donc je pense que dans les prochains vlogs il y aura évidemment ma décoration d'automne, ma décoration d'Halloween. Je vous emmènerai avec nous sur l'extérieur de Montréal où on va aller voir aussi un petit peu tout ce qui est citrouilleville, cueillette de citrouille et on va aller voir aussi les vallées comme ça avec des arbres qui sont couleur de l'automne. Donc ça ne va pas tarder. Restez connectés. Donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. On n'hésite pas à s'abonner comme ça on peut pas louper les prochaines vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Dans les commentaires, mettez-moi plein de citrouilles. Comme ça va me booster pour vous faire des prochaines vidéos sur le thème de l'automne. Voilà, pour celles qui n'aiment pas trop commenter, je sais que les petits smileys, c'est top. Bisous, bisous.